Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la chaîne d'Emmaï et moi. Aujourd'hui, enfin pour vous, c'est dimanche, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui c'est un épisode de podcast traditionnel, donc un épisode dans lequel je viens vous parler de mes tricots, de projets terminés, enfin d'ouvrages terminés, et il y en a plusieurs, vous allez voir, je vous donnerai le programme tout à l'heure, donc plusieurs ouvrages terminés, beaucoup de cast-on, beaucoup d'activités finalement ces deux dernières semaines, puisque finalement ça fait deux semaines pour moi que je ne suis pas venue vous voir, mais ça ne fait pas deux semaines que j'ai arrêté de tricoter. Loin de là, j'ai emmené mes écheveaux, mes aiguilles, un petit peu partout durant ces périodes de fête. Et vous allez voir que finalement, je suis assez contente de mes avancées tricotesques. Bon, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour, bienvenue tout le monde. Ici, vous êtes sur une chaîne qui parle d'art du fil et plus principalement, on va dire majoritairement de tricot. Vous retrouvez deux types d'épisodes. Vous trouvez généralement des podcasts lors des dimanches qui sortent en live le dimanche, pas en live, qui sont publiés le dimanche, et des épisodes un peu plus, on va dire, format vlog ou hors série, ou en fonction de ce que j'ai envie de vous parler ou de partager avec vous, qui sortent eux le dimanche, le mercredi, et dans tous les cas, les épisodes sortent à 8h le matin. Alors, qui je suis, pour ceux et celles qui arrivent ou qui sont arrivés récemment, parce que vous êtes extrêmement nombreux à me rejoindre en ce moment, et d'ailleurs merci pour ça. Donc moi je suis Christelle, je suis tout simplement une passionnée d'art du fil, j'aime énormément la laine, mais aussi les tissus, je tricote majoritairement, mais je couds, je crochète, je fais un petit peu de point de croix, et tout ça je le partage avec vous, avec mes tips, mes trucs, mes astuces et tout simplement l'envie de discuter, de papoter avec des tricopines. Si jamais vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram. Instagram où je vais essayer d'être un peu plus présente cette année. Ce sera une de mes résolutions 2024 puisque je ne vous ai pas publié énormément de choses sur Instagram en 2023, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelques petites chaussettes par-ci par-là, mais en 2024, vous aurez beaucoup plus de contenu et beaucoup plus de surprises. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram, je vous invite à le faire. Mon pseudo, c'est Démaillez-moi, exactement de la même façon que sur YouTube. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry. Ravelry qui est une plateforme d'échange, grosse bibliothèque de patrons de tricot et de crochet. Et sur Ravelry, bien sûr, moi j'achète mes patrons, j'achète les patrons des autres designeuses qui me permettent de tricoter ce que je vous montre dans ces épisodes. Mais vous pouvez aussi retrouver mes propres patrons puisque je design aussi un petit peu à mes heures perdues. Tout ce dont je vais vous parler pendant l'épisode, vous avez vu cette intro de pro, tout ce dont je vais vous parler dans cet épisode se retrouvera en dessous de la vidéo, donc dans la barre de description, vous aurez les liens vers les différentes, patrons, vous aurez les liens vers les objets dont je vais vous parler, si j'en parle, je ne sais pas encore exactement, parce que j'ai tellement de choses à vous dire que je ne sais pas ce que je vais mettre dans cet épisode et dans l'épisode suivant. Vous retrouverez aussi un lien vers mon Ravelry, vers mon Instagram. Vous retrouverez aussi un lien vers le formulaire d'inscription des testeuses si jamais vous voulez tester mes designs avant qu'ils sortent. Bref, une introduction bien trop longue parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Alors,
Avant que j'oublie, allez, qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux dernières semaines? Si vous êtes là depuis longtemps, vous le savez, je vous emmène de temps en temps dans mes voyages. Et cette fois-ci, je vais vous emmener en Laponie. Vous avez été très, 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 très nombreuses à m'envoyer des messages en me demandant de partager les images, de partager les impressions, de partager cette aventure avec vous. Donc, je l'ai fait. Sur Instagram, vous avez vu, on va dire à chaud, quelques images. Et durant cet épisode, en fait, je vais vous emmener au fur et à mesure de mes 20 avancées tricot en vous partageant en parallèle mes petites aventures en Laponie. Donc ce sera essentiellement des images, mais aussi des ressentis et un petit peu un parallèle avec le monde du tricot, parce que vous verrez que j'ai emmené avec moi une grosse partie de ma boîte de bas 2023 et je vais du coup pouvoir vous faire un retour sur quelles ont été les laines qui ont porté chaud à mes pieds et quelles ont été aussi les laines, je ne parlerai pas des teintures, mais je parlerai des laines, vraiment des qualités de laine qui étaient un petit peu moins chaudes parce qu'en Laponie, il fait froid, d'autant plus quand on y va entre décembre et janvier, on a eu des températures à prime abord absolument abominables. Puisque on s'est retrouvé au plus froid avec moins 31 degrés. Et là, je peux vous garantir que c'est pas de la blague. Je vous mettrai au fur et à mesure de cet épisode quelques photos pour vous montrer les preuves qu'il faisait vraiment froid. Je pense que vous me croyez. Mais aussi la beauté de ces paysages. La Laponie, c'est un endroit absolument magique. Mais avant de démarrer tout ça, alors je vais vous emmener aussi à Lyon, je vais vous emmener en Laponie, et puis peut-être au fur et à mesure de l'épisode, je vous révélerai où est-ce que je vais vous emmener la prochaine fois. Et la prochaine fois, ce sera fin février, début mars. Mais ça, c'est seulement si vous êtes très sage. Alors, avant que je démarre, comme on a parlé chaussettes, je voulais aussi vous le signaler sur YouTube, puisque je l'ai publié aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Comme d'habitude, je vous enregistre mon podcast le vendredi à ma pause de midi. Et donc, j'ai publié sur Instagram un code promotionnel sur tous les patrons, tous mes patrons à moi. Comme on est en 2024 et que vous savez que j'aime bien vous gâter, je vous offre un code promo de 24% de remise pour l'année 2024 avec le code joyeux 2024. Je vous l'inscrirai en bas de l'écran et vous le retrouverez dans la barre de description. Et ça vous donnera donc 24% de remise sur la totalité de mes patrons. Donc faites-vous plaisir, si vous êtes en train de planifier votre boîte de bas 2024, c'est le moment de remplir votre bibliothèque. Alors, je regarde en bas parce que j'ai pris des notes. Parce que cette fois-ci, j'ai pris deux fois mes notes. Parce que là, pour le coup, deux semaines, sans venir vous voir, du moins, sans que moi je vienne vous voir, parce que vous m'avez vu, je vous avais préparé plein d'épisodes. Apparemment, ça vous a plu. Mais moi, je suis un petit peu rouillée de qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie de vous dire, que ce que je vous ai montré et que je ne vous ai pas montré. Et pour moi, ça fait quand même 15 jours que j'ai tricoté sans vous montrer. Et donc là, il y a des choses à dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vous ai dit, on est allé à Lyon. J'ai tricoté pendant cette période-là, donc passé pour les fêtes de Noël. Puis en revenant des fêtes de Noël, nous sommes partis en Laponie. Et là encore, j'ai tricoté. J'ai fini un certain nombre d'ouvrages. Cette semaine, on va parler de 4 objets terminés. 2 pulls que vous m'avez vu tricoter pendant les Vlogmas. Pour ceux qui ont suivi les Vlogmas, je sais que vous n'êtes pas tous très fans des vlogs et je peux le comprendre. Donc du coup, je reviendrai juste sur les projets, les ouvrages que j'ai terminés pendant cette période pour que vous les ayez vus. Pour ceux qui ont suivi les Vlogmas, je donnerai plus d'informations que dans les Vlogmas, comme ça vous aurez quand même du contenu intéressant pour vous. J'ai aussi terminé 2 paires de chaussettes et tous ces 4 ouvrages-là, je les ai encore terminés en 2023. Et puis en 2024, je ne me suis pas laissée abattre parce qu'on est aujourd'hui le 5 et je suis à mon 4e objet démarré, 4e castonne de l'année. Je me sens un petit peu fébrile du castonne. Ça s'appelle la castonite aiguë pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude. Sur cette chaîne, je suis multi en cours. Je suis incapable de rester avec un seul projet sur mes aiguilles. Il faut que je papillonne sur tous les ouvrages. Donc là encore, on parlera de 4 ouvrages. Il y a 2 châles, 2 pulls, dont
un châle de Steven West. Et alors là, je m'éclate à fond. Et puis je ferai, alors pour ceux et celles qui sont aussi multi en cours, sachez qu'il y a en ce moment un hashtag qui a été publié par Lysandre Ourdin qui se challenge sur on va dire sur le nombre de ses en cours et qui elle cherche à finir un nombre maximum. Moi, décidément mes phrases sont complètement dans tous les sens. Donc, Lysandre a publié un hashtag que je vous mettrai là. Je crois que c'est « Je termine mes WIP en janvier » ou quelque chose comme ça. Mais je vous le mettrai exactement ici, sur le bas de l'écran. Et le principe est le suivant, c'est que vous faites un état des lieux du nombre d'encours que vous avez et vous terminez un maximum d'encours. Elle a publié une vidéo dans laquelle elle repasse à travers toutes ses encours. Et du coup, je me suis sentie complètement décomplexifiée de mon nombre d'encours. Finalement, tout va bien. Je ne sais plus pourquoi je vous dis ça, mais voilà, si jamais vous voulez participer, eh bien, n'hésitez pas à aller rejoindre ce challenge. Je trouve que c'est toujours bien de faire ça en groupe. Ça nous permet de reprendre tous les ouvrages qu'on a laissés un petit peu de côté, qu'on a du mal à terminer. Le fait de faire ça dans le cadre d'un challenge, ça nous donne un coup de fouet pour terminer tout ça. Bon, allez, j'arrête de papoter parce que je suis repartie pour un épisode qui, je suis sûre, va être très long et c'était pas l'objectif. Je vous emmène tout de suite dans les débuts, on va dire, dans la fin de mon mois de décembre, dans lequel j'ai tricoté deux pulls, un pour mon mari et un pour moi, sur lequel je voulais revenir. Donc, je vous emmène tout de suite dans les objets terminés. Cet épisode, je vais le faire de manière chronologique parce que sinon, je vais me perdre. Donc, ça, c'est ce que j'ai fini de tricoter avant de partir. Every guy I met, we fell in love at a bad time. Getting insecure. Alors sur cet épisode, le premier ouvrage que je vais vous montrer terminé, il s'agit d'un pull que j'ai réalisé pour moi, un pull qui fait partie de mon top favori, que vous avez certainement dû voir dans mon bilan mercredi, où je vous en parlais, mais il n'était pas tout à fait terminé. Entre temps, je l'ai terminé et donc je vais pouvoir vous donner les chiffres, tout ce qui va bien et revenir entièrement sur cet ouvrage. Alors cet ouvrage, il s'appelle Field Sweater, c'est un patron de Camilla Vad, qui est une designeuse qui publie des beautés, dont les patrons sont disponibles sur Ravelry, ils sont payants, ils ne sont pas disponibles en français, mais ils sont tout à fait accessibles si vous voulez les réaliser en anglais. Ce ne sont pas des patrons extrêmement compliqués à comprendre, ils sont publiés en anglais et puis vous pouvez utiliser Google Traduction si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise. Alors cet ouvrage, moi je l'ai réalisé dans une association de deux fils. Le premier, c'est un Merino Superwash non teint que j'avais acheté chez Lily Neige, donc on est sur un espèce de couleur on va dire crème, ivoire, sur lequel je lui ai associé un brin de mohair qui est de cette couleur-là. Il s'agit d'un brin de mohair et soie, ça y est, je suis rouillée complète, de mohair et soie de chez Tôt le Matin Yarn, hop, que je vous le mette dans le bon sens, de chez Tôt le Matin Yarn. On est sur une base kit silk mohair, donc en 72% kit silk et 28% de mohair. C'est un mohair qui ne pique pas. Si vous êtes sensible, sachez qu'on est ici sur une base kid silk, donc mohair, et le coloris, il s'appelle Mavis. J'ai adoré ce coloris, il s'agit d'un espèce de rose poudré sur lequel on a énormément de speckles de rose plus marqué et quelques petits soupçons de violet par-ci par-là. Et donc en associant ces deux fils ensemble, j'ai obtenu un effet un peu moucheté qui donne ceci. Donc dont je suis absolument ravie et que j'ai porté plusieurs fois en Laponie et je peux vous garantir que le mohair c'est bien chaud. Et quand on associe un brin de mohair, enfin de kid mohair avec une 100% mérino, on se retrouve avec un ensemble qui est bien bien chaud. Forcément, si on est sur un 100% mérino, il n'y a pas de nylon.
comme vous avez sur des laines à chaussettes. Et on y reviendra un petit peu plus tard, parce que là, on est sur 100% mérino, donc on a le fil complet était en laine de mouton, et donc forcément, sans nylon, on a un meilleur ressenti thermique. Je crois que j'y ferai hyper attention dans les prochains temps. Donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Donc on commence par un montage ici. Je ne sais plus lequel je fais. Je crois que j'ai dû faire celui qui est préconisé dans le patron. Puis on suit avec un certain nombre de rangs de côtes. Il me semble que le patron appelle des côtes normales. Moi j'ai fait des côtes demi-torse. Donc à savoir que j'ai fait un torse, enfin j'ai tricoté par le brin arrière la maille en droit. Par contre la maille en vert, je l'ai laissée comme sur le patron. Une fois qu'on a fini le col, on attaque ce magnifique yoke et son point de texture qui est réalisé avec un jeu de torsade, d'augmentation et quelques petites bricoles qui n'est pas compliqué à réaliser, qui est un petit peu long et qui nécessite un petit peu d'attention, mais disons qu'il y a un des rangs qui est un petit peu plus pénible que d'autres, mais pour cela il y a pas mal de tutoriels qui ont été, ou de moins de vidéos qui ont été tournées sur YouTube, et que j'essaierai de vous remettre dans la barre de description. Franchement, c'était un vrai bonheur à tricoter. J'ai été déçue, pas déçue, j'étais à la fois heureuse de l'avoir terminé parce que je pouvais le porter, mais tellement déçue que ce yoke soit terminé, c'était vraiment un bonheur. Puis ensuite, on est tout simplement sur du jersey. Donc là, vous tricotez façon zéro cerveau, et vous laissez la beauté des laines ressortir, et vous voyez à quel point ce mohair il est poilu, il est doux à souhait. Donc vous tricotez jusqu'à ce que vous sépariez les manches du corps, vous laissez les manches en attente, vous tricotez en rond tout le corps et vous reprenez sur la partie basse un certain nombre de centimètres de côtes normales dans le patron, mais encore ici je suis passée sur des côtes demi-torse pour faire la réplique à ce que j'avais fait sur le col. Alors étonnamment, la designeuse nous laisse en aiguille 4. Donc on est en aiguille 4 sur le corps. Et au lieu de descendre d'une aiguille pour resserrer un petit peu le bas du corps, elle nous laisse sur la même taille d'aiguille que ce que vous avez tricoté pour le jersey. Donc moi, ça m'a un petit peu perturbée. Je sais que certaines d'entre vous m'ont envoyé des messages en me disant « Attention, ça fait un peu chou-fleur. » Mais finalement, si vous faites des côtes demi-torse sur la partie basse du pull, vous voyez que ça ne fait pas chou-fleur. Ça resserre légèrement, mais pas trop. Et donc j'ai trouvé que c'était bien. En ce qui concerne le rabat, on est ici sur un rabat tubulaire type à l'italienne, donc qui se fait à l'aiguille, pour lequel je vous ai fait un tutoriel durant les Vlogmas. Je l'ai mis dans le titre de l'épisode de Vlogmas, mais je pense que je vous republierai ce tutoriel complètement dans une vidéo séparée pour en faire une rubrique de tuto, parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit que vous n'arriviez pas à retrouver les tutoriels puisqu'ils étaient un peu noyés dans les épisodes. Donc je vais ressortir ces tutoriels et vous les mettre dans des épisodes, dans des vidéos dédiées. Ce sera un de mes objectifs 2024. N'attendez pas à ce que ce soit fait demain. Il faut un petit peu de temps pour que je refasse tout ça. Donc pareil pour les manches. Alors sur les manches, j'ai fait une modification par rapport au patron parce qu'il y avait normalement un certain nombre de rangs de diminution. Moi je me suis arrêtée à peu près aux diminutions à moitié de manche, puis après j'ai fait tout droit et j'ai réalisé toutes les dernières diminutions juste à l'endroit juste avant le poignet, parce que je trouvais que sinon ça faisait une manche trop fitée sur la partie avant. Donc voilà, donc la moitié des diminutions tout droit et la fin des diminutions en une fois sur le rang juste avant le poignet. Alors j'ai réalisé cet ouvrage en taille 3, et pour la taille 3 j'ai utilisé 3 échevaux, un tout petit peu moins de 3 échevaux de fingering, et il me reste énormément de mohair, presque 20 grammes de mohair sur mes 3 échevaux que j'avais. Donc j'avais 150 grammes de mohair. Donc clairement, c'est quelque chose qui va partir dans un autre ouvrage. Ici, on est sur du non-teint, donc j'en ai plein.
j'ai plein de laine à teindre. Donc je vais pouvoir associer, peut-être faire une version assortie. L'une d'entre vous, Dominique, m'a offert le patron des mitaines ainsi que du béret qui est associé avec ce pull, et il est grandement possible que je me fasse un combo dans les prochaines semaines ou pas, je sais pas. J'ai tellement envie de questionner plein de projets que j'ai un petit peu de mal à mettre dans l'ordre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, j'ai questionné que des châles et des chaussettes. C'est parce que je suis un petit peu en mode, quel est le premier qui passe sur mes aiguilles en termes de pull. Donc voilà, pour ce projet, je vous le recommande clairement. Le patron, il est bien écrit. Il est très agréable à tricoter et alors c'est une merveille. Je trouve que vraiment, il fait son effet. Donc n'hésitez pas à vous lancer si jamais vous voulez tricoter le Field Sweater de Camilla Vade. Je ne vais pas m'étendre plus, vous l'avez vu et revu sur le Vlogmas. Donc maintenant, je passe à un autre ouvrage. Il s'agit encore une fois d'un pull. Et cette fois-ci, c'était pas pour moi. Every guy I met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself. Alors, l'ouvrage suivant, c'est encore un pull, je viens de vous le dire, mais... L'ouvrage suivant, c'est encore un pull, et cette fois-ci, c'est le pull que j'ai tricoté pour mon mari, que je lui ai offert à Noël et qui m'a gentiment laissé aujourd'hui pour que je puisse vous le montrer une fois terminé, lavé, bloqué. Finalement, il a refusé que je lui mette des boutons devant, donc il est nature. Et c'est un pull que j'ai réalisé selon un patron d'un livre de chez Marie-Claire Idée. Qui s'appelle 32 modèles de tricot pour hommes. C'est un livre qui est écrit en français, dont je vous mettrai le lien dans la barre de description. Par contre, c'est un livre dont les modèles sont tricotés à plat, et moi, il était hors de question que je tricote à plat, donc j'ai transformé le modèle en le tricotant en rond. Il a eu, on va dire, le désavantage d'être tricoté du bas vers le haut, qui n'est pas forcément ma méthode favorite de tricot. Alors je vous le montre et après je vous en parle. Il s'agit d'un très 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 grand pull, puisqu'il s'agit d'un pull pour homme. Vous le voyez bien correctement à l'écran, puisqu'il s'agit d'un pull qui est marron avec énormément de nuances. Et je vais vous reparler de cette laine tout de suite. Donc, pull homme tricoté en fingering, donc en aiguille 3,5. Il y en a pour un petit moment. La laine que j'ai utilisée, c'est une laine d'une teinturière allemande, donc c'est une épaisseur fingering en qualité single. Donc j'ai prévenu mon mari que ça allait être une laine un peu plus fragile que les autres. Clairement, normalement, la single, on la met plutôt sur des châles, moins sur des pulls. Mais il a tellement été amoureux de cette laine quand il l'a vue qu'il fallait absolument que ce soit celle-ci. Vous voyez, toutes ces nuances de marron chaud qui tirent parfois un petit peu vers le rouge. Moi, j'aurais appelé cette couleur cognac. Mais la teinturière qui s'appelle Locoporella, qui est une teinturière allemande, et vous voyez qu'il s'agit d'une Merino single, elle l'a appelée Brown and Bear, qui veut dire ours brun, et là on est sur du 100% Merino, qui fait 365 mètres pour 100 grammes. J'ai utilisé 4 échevaux pleins jusqu'au dernier gramme pour réaliser ce pull. Je ne vais pas forcément m'étendre énormément sur ce pull-là parce que vous m'avez vu le tricoter pendant une bonne partie de l'année. Je suis revenue plusieurs fois dessus. Mais en gros, vous démarrez par le bas. Normalement, c'est à plat, mais sur le côté. Donc, vous tricotez en rond pendant un certain nombre de centimètres. La particularité de ce pull, c'est qu'il a des côtes 3-2 sur le côté, donc à droite et à gauche. Vous réalisez toute la partie en rond, puis vous séparez le devant du derrière pour tricoter ensuite en aller-retour le dos, puis le devant, et vous rejoignez, en tout cas moi j'ai décidé de rejoindre avec un, je sais plus si, non j'ai fait un tricot, une jonction avec trois aiguilles.
je vais y arriver. Dans le patron, ils vous disent bien sûr de rabattre vos mailles et de venir coudre après. Moi, j'aime pas coudre, hein. On est d'accord. J'aime coudre le tissu, mais j'aime pas coudre les tricots. Ensuite, bah, vous réalisez les manches. Donc là, c'est un tube, tac, tac, tac. Vous tricotez du haut vers le bas, du bas vers le haut. Et puis, vous venez faire des diminutions. Et là, par contre, les manches, j'ai pas eu d'autre choix que de venir les coudre. Je suis assez contente de ma couture. Elle est jolie. Elle fait pas de bourrelet ou très peu de bourrelet. Même chose pour la deuxième manche. Autant vous dire que c'était... Déjà que les manches, c'est pas ma passion. Mais alors, en plus, quand il faut en faire deux pour homme et en les tricotant d'en bas vers le haut, du bonheur. Et la petite partie de finition, c'était la mise en place du col que j'ai refait à plusieurs reprises parce que clairement, le patron n'était pas forcément hyper bien détaillé sur cette partie de col. Bon, il n'est pas encore parfait, mais mon mari trouve que c'est parfait comme ça. Donc, je lui laisse, au final, c'est lui qui le porte. 4 échevaux complets, donc voilà, 4 échevaux complets pour un pull en fingering pour mon âme. Voilà, pour le deuxième objet terminé de cette semaine. Et maintenant, maintenant, on va parler à la fois d'objets terminés et d'objets en cours, puisque je vais vous emmener au fur et à mesure de mes trajets. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure. Alors mon premier trajet, on va dire mon premier voyage, petit début de voyage, hein, c'était mon trajet en voiture où on allait dans la belle famille. Vous savez que moi je suis alsacienne, je crois que je ne l'ai pas dit en début de podcast, hein. Je suis une tricoteuse alsacienne, je suis dans le nord-est de la France, tout au sud de l'Alsace, mais on a une partie de notre famille qui est à Lyon, et généralement, quand on descend à Lyon, Monsieur roule, ou l'ado qui passe son permis, qui est en conduite accompagnée, roule, et maman tricote. Et pendant ce voyage-là, j'ai décidé de tricoter sur un châle que j'ai démarré il n'y a pas très longtemps, en duo avec ma tricopine Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, qui elle était partie beaucoup plus rapidement que moi. Moi j'avais tellement d'encours que je voulais terminer que j'ai pris un petit peu de retard par rapport à elle. Donc c'est un petit peu, d'ailleurs je la taquine avec ça, c'est un petit peu l'histoire du lièvre et de la tortue. Elle est partie hyper rapidement, elle a déjà fait plein d'avancées sur ce tricot-là, où moi je suis un petit peu, j'arrive, bouge pas, je te suis. Donc il s'agit du modèle qui s'appelle Vague à l'âme de Pauline Valentin. Je vous le mets en dessous, c'est plus simple. On va dire que c'est Alice Valentin. C'est le châle Vague à l'âme que je tricote avec des laines de l'écheveau solidaire. Donc le premier de l'écheveau solidaire. Hein. Un magnifique écheveau que j'adore. J'ai choisi de tricoter ça dans la base Equinox, qui est d'ailleurs la laine recommandée pour le patron. Et là, je suis partie sur une base non teinte. Donc la base est une couleur non teinte. Donc on est sur un gris qui est comme ceci, un gris taupe. Et la couleur que vous voyez là, c'est la couleur du poil de yak. Puisqu'ici on est sur du non-teint, et c'est une base qui est composée de 50% de laine de yak et 50% de soie. C'est ce qui lui donne cette luminosité magnifique. Donc la couleur c'est le yak, la luminosité c'est la soie qu'il y a à l'intérieur. Donc il me fallait 2 écheveaux de celui-ci, et il me fallait un écheveau de ceci, qui a des poils partout, et alors on y reviendra. Mais alors je mange des poils, d'ailleurs vous voyez, voilà. Hop, ça perd ses poils. Et donc cet écheveau-là, c'est une base qui s'appelle Truffula, aussi de l'écheveau solidaire. Et donc c'est une base qui fait 260 mètres au 100 grammes, donc on est plutôt sur une épaisseur sport un peu épaisse. Elle est composée de 74% d'alpaga, de 22% de mérino et de 4% de polyamide. Et vous ne le voyez pas forcément super bien à l'écran, mais la couleur est légèrement rosée. Et la couleur s'appelle Voir la vie en rose, donc de l'écheveau solidaire. Base Truffula.
Donc c'est un châle qui se tricote essentiellement au point mousse pendant un certain nombre de rangs. C'est pour cette raison-là que je l'avais emmené dans la voiture. Hein. Typiquement, de la maille en droit dans la voiture, quand on discute ou quand on regarde la route, c'est beaucoup mieux. Donc c'est un... Je vais vous le montrer dans l'autre sens. Donc vous démarrez avec des petits bouts d'i-cord et puis vous augmentez uniquement d'un côté. Donc moi j'ai fait une variation par rapport au patron parce que j'avais un petit peu peur que le châle soit trop long, trop en longueur et pas forcément facile à porter. En tout cas c'est ce que certaines d'entre vous m'ont dit. D'autres m'ont dit ben non, finalement la longueur elle est belle, il faut qu'il y ait un équilibre sur ce châle. Donc finalement j'ai fait une variation du patron. Où au départ je me suis dit au lieu de faire une augmentation tous les X rangs, eh bien je vais les faire deux fois plus rapide. C'est ce qu'a fait ma tricopine Christelle de Rêver sa vie en couleur. Et puis en la regardant, je me suis rendu compte quand même que je trouvais que ça, du coup là, ça augmentait très très rapidement. D'ailleurs, elle a repris le sien pour finalement augmenter rapidement, puis après faire un certain nombre de mailles, enfin du moins de rangs. Tout droit. Du coup, ben moi, j'ai fait mon rythme d'augmentation, on va dire 50% moins rapide qu'elle, mais 50% plus rapide que le patron. Je ne sais pas si je suis claire, mais en fait, en gros, je me suis mis entre le patron et elle pour avoir un rythme d'augmentation fluide. C'est un petit peu l'avantage quand même de partir en second. Vous savez, comme si jamais vous avez déjà fait des tests, vous avez déjà été testeuse, il y a celles qui partent bien en tête et qui voient les erreurs et qui les corrigent. Et puis, il y a les petites dernières qui partent derrière et qui profitent finalement de l'expérience de celles qui sont passées devant. Et je trouve que là, pour le coup, ben, j'ai bénéficié de l'expérience de vous toutes et de Christelle. Donc, c'était un châle absolument passionnant sur toute la première partie et je suis arrivée enfin à la fin de la première section qui m'a paru interminable. Donc, et j'ai enfin pu démarrer, mais alors vraiment juste démarrer, et du coup vous en verrez plus la semaine prochaine, puisque j'ai enfin démarré ces fameux points de vague que j'attendais avec impatience. Et c'était exactement la raison pour laquelle j'ai choisi ce modèle, c'est ces fameuses vagues, parce que je voulais trop en faire. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des petits marqueurs un petit peu partout. Mais ça, c'est juste pour séparer les sections. Alors, ce point de vague, comment je pourrais dire ça? Je suis contente de tricoter sur des chiagous sur lesquels il y a une jonction câble aiguille qui soit vraiment très lisse. Si c'est pas le cas, je vous invite à tricoter ce modèle sur des aiguilles droites qui n'ont pas de raccord. Donc moi, comme j'ai des chiagous, ça glisse bien, mais je me suis dit, oh là là, mais mon Dieu, mais comment vous pouvez tricoter ça sur des aiguilles qui accrochent? Parce que clairement, c'est un point qui resserre quand vous allez changer de sens et qui nécessite d'être poussé sur l'aiguille pour tricoter. Donc soyez bien bien flexible ou bien bien souple si vous tricotez ce modèle-là, parce que sinon vous allez en baver quand vous allez faire le rang retour. Donc là, sur les chiagous, ça passe bien. Je connaissais ce point-là puisque je l'avais déjà expérimenté dans un mystery cal de Steven West. Et je me souviens avoir pesté parce qu'en plus, lui, il faisait des croisements. Donc, quand j'ai vu que c'était ce point-là, je me suis dit, oulala, reste bien souple sur tes aiguilles, Christelle, parce que sinon, tu vas pester à fond. Et je sais que Christelle, d'ailleurs, de l'autre chaîne, hein, de Rêver sa vie en couleur, est passée sur des aiguilles fixes pour avoir la même épaisseur entre cette partie centrale et ses aiguilles pour justement ne pas avoir à pousser ses points. Alors, autre commentaire, mais là, ce sera plus sur la basse truffula. Je vous ai dit, hein, elle perd un peu, elle perd ses poils. Enfin, du moins, elle en met partout. C'est pas qu'elle perd ses poils, mais c'est une laine qui est extrêmement poilue. C'est top, mais alors, voilà, j'en ai partout. Je suis recouverte de petits poils d'alpaga. Il y en a partout sur mon canapé. Donc, je sens que ça va être vraiment très agréable à tricoter. Bon. J'espère juste qu'une fois bloquée, elle ne perdra pas ses poils parce que sinon, il va y en avoir plein sur mon manteau. Et ça fera, vous savez, comme vous prenez le petit duvet de votre chat que vous avez câliné, et ben vous en avez partout sur vos vêtements.
Donc bon, on verra bien à l'usage. En tout cas, voilà, j'ai fini la première section. J'attaque maintenant le point de vague. Et donc normalement, la semaine prochaine, je pourrai vous montrer beaucoup plus sur cet ouvrage-là. Donc belles avancées, j'aime bien. Je ne l'avais pas emmené en Finlande, puisque j'étais quand même raisonnable et je ne voulais pas prendre trop de place sur la place en valise. Donc j'avais emmené essentiellement des petits ouvrages en Finlande. Celui-ci est resté, donc j'ai tricoté pendant l'aller-retour à Lyon, puis je l'ai laissé de côté et je l'ai repris uniquement depuis que je suis de retour. Donc ensuite, quand je suis revenue de Lyon, eh bien, il a fallu préparer ma valise. Je l'ai préparée avec vous, j'ai emmené un certain nombre d'ouvrages et c'est ces ouvrages qu'on va maintenant découvrir ensemble. Mais avant de les découvrir ensemble, je vais vous laisser un petit interlude musical dans lequel je vous montre quelques images de la Finlande parce que clairement, c'est un pays qu'il faut aller visiter et principalement la Laponie, c'était magique. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of such a pretty face. Where is your man? You should go out and chase him. J'espère que ces images vous ont plu. En tout cas, sachez que si vous avez la possibilité d'aller visiter la Laponie, c'est un endroit vraiment magnifique. Les paysages sont vraiment pris dans la glace. Je pense que vous l'avez vu dans les images. On a l'impression d'être seul au monde et il y règne une sérénité qui est vraiment propice au tricot. Entre autres, mais aussi à énormément d'activités extérieures. Je vous l'ai dit dans le début, on a eu froid, mais je n'ai pas ressenti le froid parce qu'on avait des combinaisons qui nous ont été prêtées pendant toute la durée du séjour. Par contre, quand on est rentré au retour, on a eu un coup de chaud. On a embarqué, il faisait moins 30. Et on a débarqué à Paris, il faisait 12 degrés, on avait nous encore les vêtements de là-bas, rien d'exceptionnel, hein, mais alors la première chose qu'on a fait quand on est sorti de l'aéroport, c'est on a enlevé veste, et pourtant il ne faisait que 12, les gens nous ont regardé de travers en nous disant mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là, ils sont en chaleur, mais effectivement on a eu chaud en revenant, forcément il y a eu 40 degrés d'amplitude entre le moment où on est rentré dans l'avion et le moment où on en est ressorti. Il y a eu 40 degrés d'écart. On avait très bien estimé l'impact du froid, le fait qu'on allait avoir vraiment beaucoup plus froid que quand on partait. Mais alors au retour, moi je suis en chaleur depuis, j'ai trop chaud. Le corps humain est absolument fabuleux. Bon, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai emmené mes tricots dans l'avion.
Plusieurs d'entre vous m'ont demandé si on pouvait tricoter dans la cabine. Oui, on peut tricoter dans la cabine, mais attention aux aiguilles que vous emmenez. Les aiguilles droites, vous pouvez oublier. Les doubles pointes, vous pouvez oublier. Tout ce qui est aiguilles longues, type si vous faites du magic loop, si vous faites quoi que ce soit, vous prenez des risques. Donc moi, pour ne pas prendre de risques, je tricote avec mes mini circulaires et essentiellement des chaussettes, et je n'ai jamais eu de soucis dans n'importe quel aéroport jusqu'à présent, dans n'importe quelle compagnie aérienne. Et vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que je voyage quand même beaucoup, donc j'ai toujours emmené dans ma valise à main ou dans mon sac à main une chaussette. Par contre, elle avait toujours été démarrée, donc j'avais mon aiguille circulaire montée sur mon ouvrage directement avec la pelote, et je n'ai jamais eu de questions. D'ailleurs, je n'ai jamais eu moi, on m'a jamais ressorti ou demandé de laisser mes aiguilles. Voilà. Donc, la première chose que j'avais emmenée dans l'avion, et vous l'aviez vu, je crois que je vous ai mis quelques photos sur Instagram, j'avais démarré des chaussettes autorayantes pendant les Vlogmas, des chaussettes autorayantes que j'ai tricotées selon une laine qui vient de chez Nicole C. Mendez, dont je vous ai parlé durant le bilan. J'avais fait venir deux autorayantes chez elle pour tester la qualité de sa laine et voir si je prenais un abonnement ou pas. Donc là, j'ai fait venir sa laine, je l'ai tricotée, j'en suis heureuse, et donc c'est ce qui m'a amenée à prendre l'abonnement chez elle. Donc le premier coloris que j'ai acheté chez elle, il s'appelle The Burrow, qui veut dire le terrier en anglais. On est sur une base 80-20, donc 80% de mérino extra fine et 20% de nylon. On est sur une épaisseur fingering de 400 mètres pour 100 grammes. Et donc le coloris The Burrow, il ressemble à ça. Donc on était sur de l'autorayant avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs normalement, sachant que bon, j'ai une petite déconvenue, mais on en parlera un petit peu sur le coloris bleu. J'avais tricoté durant le Vlogmas avec vous toute la partie de la pointe et du pied, et puis après je les avais mises de côté pour pouvoir me consacrer sur la finition de mes cadeaux. Donc il me restait les talons, que j'ai fait avant de partir, mais toute la partie des tiges. Et donc je vous montre l'ouvrage que j'ai réalisé pendant mon trajet aller. Donc j'ai réalisé la partie de la tige ainsi que des côtes sur chacune de mes chaussettes, puisque la paire a été terminée. Alors elles ne sont pas encore lavées ni bloquées, là je vous ai mis sur un bloqueur, mais elles vont aller au lavage. On est rentré hier, je viens vous voir tout de suite, hein. Mais je n'ai pas encore eu le temps de bloquer tous ces ouvrages-là. Donc j'aime beaucoup le rendu. La petite déconvenue, ça a été un petit peu ce bleu, puisque finalement les rayures semblent plus épaisses. Voilà, la luminosité change en ce moment, c'est affreux, hein. Les rayures sont plus épaisses tout simplement parce qu'il y a deux bleus très similaires, un qui tire vers le bleu clair, un qui tire vers le vert, et qui ressortent assez plutôt comme une rayure large. Au final, j'aime bien. Donc ça, c'est la laine principale. Et pour le mini, j'étais allée chercher des laines de chez By CKL. By CKL, qui est une teinturière que j'ai découvert récemment, qui teint ses laines naturellement. Et là, on est parti sur un coloris qui est un coloris racine de Garance. Et c'est ce orange-là. Et je trouvais qu'il allait vraiment bien avec l'autorayant. Je trouvais qu'il s'assortissait correctement. Il me reste, je crois, 2 grammes ou 3 grammes de contrastant, puisque j'ai réalisé côte, talon, pointe, sur les deux chaussettes. Et donc j'ai gardé ces petits restes de côté dans ma boîte à micro-restes pour en faire des mini granis pour l'une de mes couvertures. Et ça, je le ferai au fur et à mesure cette année. Je pense que je vais faire pas mal de granis cette année. Des mini, hein, je vous les montre pas. Je vous les montrerai avec l'avancée de la chaussette. Donc là, en l'occurrence, je suis partie de la pointe que j'ai montée avec mes Crazy Trio de chez Adi. J'ai ensuite tricoté en version zéro cerveau une rayure par-ci, par-là. Lorsque je suis arrivée au nombre de rangs qu'il me fallait, j'ai fait mon talon en shadow wrap. Donc là, vous le voyez qui est un petit peu juste, mais c'est parce qu'il n'est pas encore bloqué. Puis après, je suis repartie tout simplement en rond
version zéro cerveau pendant tout le trajet et j'ai fini par une quinzaine de rangs de côte torse. Et la seule chose que je n'ai pas fait pendant le trajet, c'est le rabat, puisque je n'avais pas d'aiguille, par contre, rabat dans la cabine. Et donc, je l'ai fait tout de suite en arrivant. Donc ça, ça a été la première paire et donc je l'ai terminée encore en 2023. Ensuite, j'avais emmené autre chose et elle est là. C'est également une auto-rayante, puisque j'ai eu trop peur de manquer d'ouvrage pendant le trajet. Au final, je ne l'ai pas tricotée pendant le trajet, mais je l'ai tricotée tout de suite en arrivant, pendant la période d'acclimatation et surtout pendant les veillées du soir. Parce qu'il faut savoir que la période dans laquelle on est allé en Finlande, c'est ce qu'on appelle la période la moins ensoleillée de l'année. Il y a un mois pendant lequel le soleil ne se lève pas en Laponie. Donc ça a été la période pendant laquelle on a été. Donc on s'attendait en fait à être dans le noir. Au final, on ne voit pas le soleil, mais la luminosité est là quand même. Donc le soleil ne se lève pas, mais pendant 4-5 heures dans la journée, on avait une luminosité comme on peut avoir ici. Simplement, le soleil n'était pas dans le ciel. Il essayait de se lever. Finalement, ça donnait une lumière magnifique que vous avez dû voir pendant l'interlude musical, mais où je peux vous remettre une photo ici. Vous aviez l'impression d'avoir un coucher de soleil ou un lever de soleil permanent, et ça faisait un ciel magnifique avec des couleurs rose, orange. C'était jamais un grand ciel bleu, c'était vraiment un ciel très travaillé, et c'est magique. Et pour les photos, c'est super. Donc au final, ma deuxième chaussette, je l'ai tricotée entre le moment où on est arrivé et le nouvel an. Encore sur 2024, je l'ai terminée le 31 au soir, sur 2023 pardon, je l'ai terminée le 31 en fin de journée. Donc là on est sur coloris, donc là encore, une autre laine de chez Nicole C. Mendes. Et le coloris, celui-ci, il s'appelle Santa's Workshop, donc l'atelier du Père Noël, qui reprenait celui-ci 1, 2, 3, 4, 5 couleurs de rayures. Donc de la même façon, je suis partie de la pointe, j'ai fait des rayures par-ci, par-là, enfin du moins, au fur et à mesure des jours. J'aime beaucoup le principe d'une rayure par jour. Je trouvais ça sympa, une, deux ou trois rayures par jour. Et je voulais d'abord tricoter les deux chaussettes en parallèle. Au final, je tricotais une première, puis une deuxième. Le contrastant, c'est encore un contrastant de By CKL, mais cette fois-ci, c'est un contrastant qui s'appelle encore, Gland et Fer, qu'elle a teint avec des glands, et sur lequel elle a mis une pincée de fer. C'est ce qui donne ce gris avec une petite nuance de vert. Là aussi, talon en shadow wrap, un certain nombre de rangs de côtes, puis de la même manière, j'ai tricoté les côtes. Donc quand je tricote les chaussettes pour moi, moi je tricote en 64 mailles, en aiguille 2,25. Donc là encore, les chaussettes ne sont pas bloqué, enfin en l'occurrence il y en a une de bloquée, la deuxième ne l'est pas. Donc comme ça vous pouvez aussi voir la différence et l'impact du blocage. Donc voilà une chaussette qui est bloquée, voilà une qui est en attente de blocage, donc vous voyez qu'elle est un peu recroquevillée sur elle-même, les côtes sont resserrées alors que là elle a pris toute sa place et il suffit de la plier en deux pour qu'elle soit bien correctement prête à être rangée. Voilà. Dans les deux cas, pour les deux paires de chaussettes, les deux versions, là, j'ai utilisé un tout petit peu plus de 50 grammes de mon coloris principal. Donc il me reste, pour chacune des chaussettes, je ne sais pas où est la quatrième, mais il me reste des boulettes, puisque j'avais séparé mes deux échevaux, les deux échevaux en deux boulettes, en deux demi-cakes totalement égaux. Si vous ne savez pas comment j'ai fait, je vous invite à regarder le premier épisode du Vlogmas où je vous montre exactement comment j'ai séparé en deux pour m'assurer d'avoir deux chaussettes pareilles, avec le même démarrage de rayures et de la même façon. Ça dure 2 ou 3 minutes, hein, je crois, la façon dont je vous le montre. Donc j'avais fait ça d'un côté,
puis de l'autre, ce qui fait qu'il me reste deux boulettes, on va dire, je crois qu'il reste 22 ou 23 grammes chacune, ce qui me permettra soit de faire des soquettes, soit potentiellement de faire des mini chaussettes pour les petits enfants qu'on a dans la famille. Et voilà, donc des ouvrages terminés en 2023 et que je vais avoir beaucoup de plaisir à porter. Je ne sais pas encore si je les porte directement ou si je les mets dans ma boîte de bas 2024. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Donc ensuite, eh bien j'allais pas partir en Finlande ou en Laponie, enfin c'est la même chose. Si j'allais pas partir en Laponie avec des nouveaux projets à monter sur mes aiguilles. Mais oui, et donc je vais aller le chercher, je ne l'ai pas ici, je vais vous parler d'un châle que j'ai démarré sur place. Donc, on a fait la fête. À la méthode Lapone. D'ailleurs, on a sympathisé avec des familles d'autres, on va dire, touristes qui étaient sur place. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment sympathique de faire connaissance avec des gens qui partagent les mêmes valeurs et qui étaient vraiment, vraiment, vraiment agréables. On a vraiment passé un bon moment, on est bien tombés. On était vraiment dans un hameau isolé, avec très très peu de touristes, pas forcément exposés au tourisme de masse. Donc on pouvait être chanceux et tomber sur des bonnes personnes. Et ça a été le cas, on est vraiment tombé sur des familles super. Ou alors être malchanceux et tomber avec des gens avec qui on ne s'entendait pas. Bon, on est assez flexible, nous on est quand même relativement ouverts. Mais là on est vraiment tombé, c'était vraiment génial. Une super famille avec qui on a sympathisé et franchement, je sais pas, on avait l'impression de se... Enfin, moi j'avais l'impression de les connaître depuis toujours parce que c'était facile avec eux. On pouvait parler avec eux, faire des blagues avec eux, ils comprenaient, on se comprenait. Bon, c'était top. Bref, je sais plus pourquoi je vous ai dit ça. Voilà, on a fêté Nouvel An, on a bu un coup et puis le lendemain, je me suis dit, mais il faut que je questionne un nouveau projet 2024. Et donc, j'ai décidé de questionner un châle. Un châle que je vais tricoter dans une association de deux laines. La première, c'est une laine de chez Lang qui m'a été envoyée généreusement par la marque et qui est dans leur base Vaya. Vaya, c'est une laine qui est légèrement chaînette. Hop, est-ce que je vais arriver ? Vous ne verrez pas. Elle est légèrement chaînette. Et là, on est sur un coloris qui s'appelle... alors, c'est des numéros hein, 1135 0094. Il y a une espèce de beige-grège. Voilà, une laine qui est... Alors, un fil, pardon, qui est composé de 74% de coton, de 16% de mérino extra fine et de 10% de yak. Ça en fait quelque chose de bien doux, de bien léger. Et je me suis dit qu'il fallait que je me fasse un petit châle à un écheveau. Et par la même occasion, je voulais tester cette fameuse forme triangulaire asymétrique. Et le hasard fait bien les choses. Il y a un patron de châle triangulaire, asymétrique, à un écheveau plus un mini qui est sorti, qui s'appelle le châle Iris de Odile Nitz, que vous avez certainement vu chez Lauriane du podcast, du vlog de la chaîne L'eau demoiselle, ainsi que chez Mélanie les aiguilles aventurières, à qui je fais un gros bisou parce que je sais que tu passes par là, Mélanie. Et j'étais tombée sous le charme de leurs deux versions en me disant ah, c'est un châle que je me verrais bien porter. Et donc je me suis dit ben voilà, allez hop. On démarre avec ça, auquel j'ai associé un fil de chez Laurel Nitz. Et là, c'était plus symbolique qu'autre chose. Laurel Nitz, c'est une teinturière finlandaise. Et je me suis dit, quoi de mieux que de tricoter une nouveauté, un caston du 1er janvier, et de mettre sur mes aiguilles une laine de là-bas. Alors, pour enlever tout suspense, je n'ai pas ramené de laine. Je n'en ai pas trouvé. On était trop éloignés. Voilà, c'était pas l'endroit en Laponie. Je pense qu'en Finlande, la partie plus basse, plus touristique, enfin pas plus touristique, mais
Là, vous y allez. Enfin, en Laponie, vous y allez pour les paysages et pour la beauté, pour le froid, pour le côté magique. Vous n'y allez pas pour faire du shopping. Vous n'y allez pas pour faire du shopping. Voilà. Alors, donc Laurel Nitz, je vous montre son petit logo. C'est une teinturière finlandaise que vous pouvez trouver sur Etsy et qui livre en France. Donc, du coup, ben, je me suis dit, ben, voilà, parfait, le petit signe. Donc, je vous montre ma version du châle Iris qui est pas forcément super avancé. Hein. On est d'accord que j'étais quand même en version tourisme-visite. Donc, j'ai pas passé non plus ma journée à tricoter. Donc, voilà où j'en suis. Donc, c'est un châle qui se démarre par la pointe, qui se tricote quasiment entièrement en point mousse avec quelques jetés d'augmentation et une maille centrale de diminution double. Bon, avec un rythme d'augmentation qui est assez léger, ce qui fait qu'il est très 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 pointu. Donc au début, mon mari m'a demandé si je tricotais un string. Ça aurait pu, hein. Donc vous tricotez avec un rythme d'augmentation très 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 lent. Et quand vous arrivez là, moi j'avoue que j'en avais ras-le-bol. Donc je me suis dit, bah, ça n'avance pas, c'est hyper fin, c'est machin. Bon, j'avais envie de râler hein, le 1er janvier. Au final, je me suis réconciliée parce que là, à partir de ce moment-là, ça y est, il y avait un travail avec, avec de la couleur, des rayures, et donc j'ai pu voir la beauté, et comme le soleil est changeant aujourd'hui, vous ne le verrez pas bien, mais la beauté de la dentelle, qui est une dentelle très simple, une espèce de pointe vague, mais aussi qui m'a permis d'incruster ce mini de chez Laurel Nitz. Bon, ben, plaisir de courte durée, puisque une fois que j'ai eu terminé cette partie-là, ben, je suis repartie sur une grande partie d'aller-retour similaire au point que vous avez ici. Alors par contre, je prends beaucoup plus de plaisir à le tricoter maintenant parce qu'il y a plus d'aiguilles, il y a plus de mailles sur mes aiguilles, donc forcément, je passe pas mon temps à faire un aller-retour, aller-retour, aller-retour. Je crois que c'est ce qui m'a fatiguée sur cette partie-là parce que c'était tellement lent et je me souviens avoir eu la même sensation quand j'avais fait ma Sophie Shawl, ma Sophie Scarf. Vous passez votre temps à vous retourner puisque vous avez très peu de mailles sur les aiguilles et ça avance pas très vite, enfin c'est pas, ça n'augmente pas très vite. Là maintenant que j'ai plus d'aiguilles, j'ai plus de mailles, ça va mieux. Je trouve que voilà, c'est plus agréable à tricoter. Par contre, je suis très contente du modèle. Peut-être que je râle, mais que je peste, mais je suis très contente du modèle. La seule chose, c'est que moi, j'aurais aimé voir une maille centrale un peu plus visible. Alors, le modèle est fait comme ça. Vous voyez, la maille centrale, on la voit quasiment pas. Le modèle est fait comme ça. C'est normal. Par contre, pour identifier où est la partie centrale et où vous devez faire votre diminution centrale double, parfois, ben, j'avoue que la mienne n'était pas forcément tout à fait au milieu. Donc, du coup, j'ai fini par mettre un marqueur parce que je m'en sortais pas. À chaque fois, il fallait que je compte et ça devenait un petit peu pénible. Donc finalement, maintenant, j'ai un marqueur que je replace à chaque aller-retour. Donc voilà, pour mon premier cast-on du nouvel an. Mais je ne me suis pas arrêtée là, parce que j'en ai fait un deuxième. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure. Alors, le 1er janvier, je n'ai bien sûr pas que monté un projet, j'en ai monté un deuxième, parce que je suis une gourmande, alors il me fallait bien un deuxième projet. Alors ce deuxième projet, c'est par contre, c'est une paire de chaussettes que je tricote pour mon mari. Je vous ai dit cette année que j'allais tricoter pour mes hommes. Alors par contre, c'est plus long, hein. Pour les hommes, les pointures sont plus grandes, le nombre de mailles est plus grand. Pour mon mari qui fait du 42, je monte 72 mailles au lieu de 64 pour moi. Et je fais aussi un 42 pour mon mari alors que je fais un 38 pour moi. Donc ça représente 2-3 cm de plus de longueur de pied et donc forcément 2-3 cm de plus aussi de longueur de tige. Puisque j'aime bien, je vais reprendre une autre chaussette. Lorsque mes chaussettes, une fois fermées, elles ont à peu près la même taille. Alors on ne le voit pas bien là. On le voit là.
Voilà, une fois fermée, si je suis au milieu de mon talon comme ça, si j'ai ma pointe et ma tige qui ont à peu près la même longueur. Donc forcément, si je fais un peu plus long, je vais essayer de faire une tige un peu plus longue, légèrement. Pour ma taille de pied à moi, pour mon 38-38,5, je fais, selon ma tension, 65 rangs. 60-65 rangs pour le pied. Alors que mon mari, je vais plutôt être sur 75, parfois presque 80, ça va vraiment dépendre de la laine. Donc c'est plus long, il y a plus de mailles, et donc forcément ça prend un peu plus de temps. Voilà. Petite 5 minutes de râlerie. Donc cette paire de chaussettes, je l'ai tricotée. Où est-ce que j'ai mis ? Ah là. Je l'ai tricotée dans une bulle de laine de chez Laine de Moutte. Vous m'aviez vu ouvrir ces jolis présents durant les Vlogmas. J'ai choisi, enfin du moins mon mari a choisi deux des trois bulles de laine que j'ai reçues. Donc, il a fallu que je me batte pour en garder une. Il a choisi notamment pour lui le coloris Suzette des Pins. Et il me semble qu'ils sont encore disponibles, je crois, chez Catherine Laine de Moutte. Donc là encore, on est sur une épaisseur fingering que je tricote en ce qui me concerne en 2,25 parce que j'aime le tissu et le rendu que ça donne. Et la base de laine de Catherine, de Laine de Moutte, on est sur un 85% mérino, 15% nylon. Et c'est là que je vais m'arrêter avant d'aller plus loin pour vous parler de composition de laine et de leur capacité à vous tenir chaud. Parce que, alors, en temps normal, ici en Alsace, il fait froid, de temps en temps, on a des températures négatives, parfois bien plus négatives qu'ailleurs, mais j'avais jamais réalisé qu'il pouvait y avoir des différences de chaleur d'une laine à l'autre. Alors je parle d'un mérino à l'autre, je parle pas entre effectivement le yak, le BFL, enfin bon bref. Entre mérino et selon la composition et la quantité de mérino que vous allez avoir dans la laine, le rendu, ou du moins le maintien de la chaleur au niveau de vos pieds est différent. Et moi j'ai pu l'expérimenter en Laponie, parce que malgré mes vêtements grand froid ou mes chaussettes et tout ce qui allait bien, il y a eu des moments où je sentais plus le froid que d'autres et j'ai pu faire un parallèle avec la composition de la laine. Donc j'ai pu remarquer qu'en portant les 85% mérino, 15% de nylon, j'avais plus chaud à mes pieds que lorsque je portais un 75-25. Ou que voilà, donc plus en fait vous avez de mérino dans votre chaussette, meilleur sera votre maintien en température de votre pied. Donc c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, que je voulais partager avec vous. Ça se tient, hein, puisque le nylon, ben, c'est des matières non naturelles qui n'ont aucune résistance ou du moins aucune propriété thermique ou régulatoire aucune, hein. Le nylon ou le polyamide n'est là que pour le maintien ou pour la solidité du fil, alors que le mérino, lui, sera de la laine de mouton qui va vous permettre d'avoir et une régulation et un maintien au chaud. Donc voilà, ces bases 85-15, effectivement, elle sera un petit peu moins solide parce qu'il y aura moins de nylon que sur une 75-25. Par contre, vous aurez une meilleure déjà un meilleur confort, un meilleur toucher, hein, le mérino 85-15, c'est vraiment hyper doux, mais c'est aussi plus chaud. Et ça, c'est mon ressenti, c'est peut-être complètement subjectif, mais j'ai pu l'expérimenter en étant en Laponie, où quand on avait effectivement moins 30, les jours où j'avais des fils 75-25 sur mes pieds, j'ai eu plus froid qu'à température égale avec les jours où j'avais des 85-15. Alors peut-être que c'est que dans ma tête. Mais voilà. Bon, alors, je vous disais, beaucoup de teinturiers et teinturières font du 85-15. Hein, vous en pouvez en trouver à différents endroits. Mais clairement, j'essaierai d'aller vers une composition où il y a plus de mérino et le moins possible de nylon. Voilà. Pour quand j'ai envie d'avoir chaud au pied. Donc là, en l'occurrence, chaussettes que j'ai tricotées dans la bulle de laine. Donc la bulle de laine, c'est le principe où vous recevez une boule, un écheveau qui a été préparé
je suppose à la main, sous forme de boule et qui est enfermée dans une bulle de plastique que je vais réutiliser, hein, parce que pas de déchets, hein, et qui arrive avec un joli emballage et une inspiration. Et donc là, on était sur quatre couleurs. Il y avait du beige que vous aviez dans l'étiquette, dans le nœud, du vert au niveau du sapin, du marron au niveau des pommes de pin et la petite tranche d'orange ici au milieu. Et voilà ce que donne le coloris une fois. J'ai ma montre qui me dit qu'elle ne sait pas comment me répondre. Eh bien, ne me réponds pas. Ça vous arrive aussi, Siri qui se met en route et qui vous pose des questions ou qui vous dit bah, « je suis désolée ». Eh bien, sois pas désolée, je t'ai pas parlé. voilà ce que rend le coloris et je vous explique ce que j'ai fait. Donc ça, c'est le coloris autorayant de laine de mout. Et je cherchais un contrastant qui puisse aller avec ce coloris. Et je suis tombée sur... Enfin, je suis allée fouiller dans mes restes et dans mes mini. Et je suis tombée sur ce coloris qui est un coloris de chez Arco Iris Yarn dans sa gamme Land of Throne, le coloris Lannister que j'avais reçu dans une des box, que j'avais acheté dans une des box 2023. D'ailleurs, j'ai vu que Ludivine allait mettre en coloris permanent ces coloris, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, ils sont tous très beaux. Et là, on est sur du 85-15 aussi. Donc, j'ai utilisé ce coloris Lannister pour faire les contrastants au niveau des pieds, du talon et des côtes, ben, tout simplement parce que dans ce coloris, on retrouve la majorité des couleurs qu'il y a dans l'autorayant. Donc vous retrouvez le vert, vous retrouvez le orange, vous avez un beige qui n'est pas tout à fait le même que celui-ci, on est plus clair, et vous avez des petites touches de taupe par-ci, par-là, mais un peu plus légères. J'ai trouvé que ça faisait un bon compromis, un bon équilibre. Je ne voulais pas mettre un uni. Mon mari m'a regardé de travers en me disant ah, « tes coloris à speckle, là, c'est pas mon truc ». Et puis finalement, quand je lui ai montré une fois terminé, il me dit « Ah, oh, non, c'est super chouette laisse la pro du tricot faire ton choix !» N'importe quoi, Christelle. Bon, voilà pour la chaussette. Elle n'est ni lavée, ni bloquée. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'adore tricoter les laines de chez Laine de Mout ou de chez Ludivine. C'est vraiment un pur bonheur. C'est un projet que j'ai mis sur mes aiguilles le 1er janvier, donc on est le 5, et cette première chaussette, je l'ai terminée hier, donc j'ai fait ma première chaussette en 4 jours, et j'ai fait un micro-montage de ma deuxième chaussette, donc là c'est la blague, hein. Mais c'était juste pour éviter le syndrome de la deuxième chaussette, et bien au moment où je finis la première, au moment où je fais la dernière maille de mon rabat, je monte immédiatement la deuxième parce que sinon je suis sujette au syndrome de la deuxième chaussette, c'est-à-dire que j'ai une première chaussette et je fais jamais la deuxième. Et je voudrais éviter de me retrouver avec une collection de une chaussette, enfin d'un pied de chaque chaussette, et de devoir me forcer à faire la deuxième à chaque fois, alors que si je la fais dans la foulée, ben ça va mieux. D'autant plus qu'ici, on est sur de l'autorayant, donc rien de passionnant, c'est du zéro cerveau. Celui-ci, celle-ci, moi, je l'ai tricotée quasiment. Donc, celle-ci, je l'ai tricotée quand on était sur place. J'ai passé le talon et la tige ainsi que les côtes, je les ai tricotées dans l'avion du retour. Dans l'avion du retour en Laponie, vers Paris. J'avais juste, encore une fois, la partie rabat où j'ai laissé le fil. En rentrant ce matin, hier après-midi, pardon, j'ai mis un petit coup de rabat à l'aiguille. Donc voilà. Alors je vais cesser de vous rabattre les oreilles avec les coloris autorayants. Sachez que j'en ai encore monté une autre, mais que je vous la montrerai la semaine prochaine parce que sinon vous allez croire que je fais que des chaussettes et c'est pas le cas. Là maintenant je voudrais vous parler du dernier cast-on que j'ai fait, et celui-ci je l'attendais avec impatience. Je l'ai montré hier après-midi et j'ai du mal à le lâcher, et je veux vraiment vous le montrer parce que sinon voilà, si je continue à papoter, ce podcast va être vraiment vraiment long, donc je veux vous montrer un dernier projet et puis après le reste je vous montrerai la semaine prochaine.
every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself. Alors, ce dernier projet, c'est un châle de Steven West que j'avais repéré lorsqu'il l'a sorti et je me languissais de pouvoir le monter sur mes aiguilles. J'ai refusé de l'emmener en Laponie parce que voilà, c'est un châle qui a beaucoup de points texturés, beaucoup de techniques. Enfin, pour l'instant, il y a des points texturés et beaucoup de rythme. Et je ne me voyais pas le faire entre deux activités sportives en Laponie. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, Christelle, tu le castonnes en rentrant. Mais alors là, pour le coup, on a atterri à 10h30, on avait nos bagages, 11h on était à la maison, je me suis occupée des valises, des machins, des trucs, et à 13h je questionnais. Alors ce châle, il s'appelle Glittering Snowscape, vous allez certainement en entendre parler dans plusieurs podcasts puisque je le tricote dans le cadre d'un mini-cal avec mes tricopines Sophie au fil de la ruche qui a aussi un podcast et que je vous encourage à aller voir. Je vous en ai déjà parlé, hein, c'est chez elle que j'avais acheté le miel, j'aime beaucoup ce qu'elle tricote. Elle a beaucoup de peps dans ses coloris, j'aime beaucoup et j'aime sa personnalité. Voilà, Sophie au fil de la ruche, si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le lien dans la barre de description et je vous invite à aller la voir. Et la deuxième personne, c'est aussi quelqu'un qui est très pétillant, c'est Mélanie, les aiguilles aventurières. Mélanie, là aussi, quelqu'un de très pétillant avec beaucoup, beaucoup de couleurs sur ses aiguilles que j'aime beaucoup et qui a elle aussi un podcast. Et je vous invite à aller la voir si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous les connaissez toutes les deux. Donc elles ont commencé avant moi, mais alors j'étais en impatience ultime parce qu'on a fait un petit groupe sur Instagram où on discute à 3-4, d'ailleurs il y a l'une d'entre vous qui est également, qui fait partie du CAL, si tu passes par ici, tu te reconnaîtras, donc on est vraiment en petit groupe, donc c'est sympathique, c'est pas non plus les 50 messages toutes les heures, parce que là moi j'arrive pas à suivre, mais je voyais les échanges en disant oh, regarde j'ai commencé, j'ai fait ci, regarde mon combo et tout, et moi je trépignais d'impatience en disant oh, les filles je bave tellement j'ai envie de monter ce projet. Donc c'est le traditionnel châle que Steven West sort pour l'après Noël. Donc chaque année il sort un modèle dans ses collections Hibernate Long, donc c'est un châle qui n'est pas mystère, on connaît, on sait ce qu'on va tricoter, et il démarre chaque année le 26 décembre. Donc ben moi le 26 décembre, je ne peux jamais castonner, du moins pas du Steven West, parce que c'est fête de famille, voyage et tout ça. Donc là, certaines d'entre elles, il me semble que Sophie l'a démarré le 26, et par contre Mélanie des Aiguilles Aventurières, elle l'a castonné le 28. Bon bref, c'est un châle que j'aime beaucoup, je vous mettrai peut-être une photo si j'y pense, hein, sinon je vais de nouveau vous faire voilà la photo et puis vous allez me taquiner en me disant la photo elle a toujours pas apparu. Donc c'est un châle à 5 échevaux qui se tricote dans un gradient. Alors moi j'ai choisi de prendre un peu plus de couleurs qu'est-ce qui est indiqué. Mais dans des tons totalement neutres. Alors là, on est 100% dans ma zone de confort puisque j'ai choisi de le tricoter dans des tons qui vont du blanc à l'anthracite en passant par des gris bleutés. Donc là, moi, je cherchais un châle que je puisse porter au quotidien avec la totalité de ma garde-robe qui est essentiellement clair ou très foncé. Donc il me fallait quelque chose qui soit assez versatile, et donc gris, bleu, noir, blanc, tout ça, ça va très bien. Donc j'ai réalisé un gradient, et pour cela, je suis partie dans différentes teinturières. Donc encore une fois, on est dans le thème. Ma première couleur, on est sur du blanc, et là, on est sur du Laurel Knit. C'était pour ça que je vous montrais l'étiquette. Du Laurel Knit. Ensuite, en seconde couleur, j'ai trouvé un petit mini, qui allait un petit peu en dégradé. Voilà,
Ensuite, on part sur un espèce de gris bleuté de chez le Norel Knit encore. Donc là, le mini, c'est un mini du calendrier de l'Avent de Arco Iris Yarn de l'année dernière. C'est le Château Ambulant. C'était le jour numéro 3. Donc il a un léger sous-ton de bleu. C'est pour ça que je l'ai mis dedans. Ensuite, on est sur du Laurel Knit, le coloris... Ah bah non, je peux pas vous dire le coloris puisque ça faisait partie d'un set. Donc là, j'ai un échevaux de 50 grammes et un mini de 20 grammes dans le même coloris. Voilà. Ensuite, je vais utiliser mes restes, là aussi de Arco Iris Yarn, coloris Game of Thrones, Land of Thrones, pardon, coloris de la maison Stark, pour incruster un petit peu de speckle. Hop. Et les deux derniers, ce sont des singles de chez Lincoln & Lace. Celle-ci s'appelle Pewter. On est sur du gris. Et le tout dernier s'appelle Salt. Et là, on est sur un anthracite presque noir, mais c'est un noir nuancé. Et donc, voilà. Je ne vais pas y arriver, hein, bien sûr. Voilà mon combo, que vous ne voyez rien du tout. Je vais vous le mettre dans l'un. Je vais faire ça comme ça. Attendez, je vais réussir à vous le montrer. Je suis presque sûre. Voilà. On est sur un combo qui ressemble à rien. Voilà, donc du plus clair, en passant par le mini, puis là, puis avec du speckle, et puis on finit par deux singles. Donc ces deux singles, je les mets à la fin pour vraiment qu'il y ait un beau drapé. Alors j'avais pas suffisamment de singles pour faire tout en single, hein, pour le châle c'est top. Et donc c'est un châle qui est en 2001, un très grand châle, un châle à 5 échevaux, que moi je fais avec... Donc je sais pas, je vais voir comment je fais pour assortir et gérer les couleurs. Donc c'est un châle qui est en 2001, qui démarre au niveau de la partie centrale et qui se tricote en 2001. Donc je vous avais dit lors de mon bilan que je voulais essayer les formes 2001 et les formes triangulaires asymétriques pour vraiment trouver la forme de châle qui me convient à moi ou que j'aime le plus. Mais alors ce projet, je le trouvais déjà magnifique, déjà. Ensuite, je trouvais vraiment sympathique le fait qu'il y ait énormément de sections avec des points différents. Et alors là, je suis servie parce que les sections ne sont jamais très longues et donc on ne s'ennuie pas. Et c'est ce qui fait que j'ai un petit peu de mal à le lâcher. J'ai commencé hier après-midi et là, je me retiens parce que, bon, bah, quand même, il faut travailler. Je me retiens parce que j'ai envie d'aller voir la suite. Donc voilà où j'en suis. Donc vous démarrez ici avec un I-cord et une petite manipulation. Et pour la petite manipulation, Steven West a un tutoriel vidéo. C'est ce que j'aime aussi chez Steven West, c'est que vous êtes accompagné, pris main par la main, hein, c'est toujours très facile. Ensuite, vous avez un tout petit peu d'augmentation et suivi par des côtes brisées. Là. Ensuite, vous avez un espèce de point de gaudron qui sera finalement la séparation entre chaque section de texture et qui va revenir au fur et à mesure. Là, vous ne le voyez pas, hein, mais moi j'ai commencé le point de gaudron qui va séparer la texture suivante. Ici, donc en fait là, vous avez première section, deuxième section, troisième section, quatrième section que je viens de terminer. Alors, cette fois-ci, je vais m'astreindre dans mon... projet Ravelry, j'ai pas mis de photo ou de quoi que ce soit, je vais peut-être en mettre une ou deux, mais surtout j'ai repris section par section combien de grammes de laine j'ai utilisé pour chacune des sections, parce que c'est typiquement un châle que vous pouvez utiliser avec un gradient de mini ou avec vos calendriers de l'Avent. Typiquement c'est vraiment vraiment un châle avec des petites sections à chaque fois. Si je reprends par exemple la première partie ici, là j'ai utilisé 4 grammes il me semble, là sur la partie suivante il me semble que j'ai utilisé 10 grammes. Alors peut-être que par la suite ça suffira plus, mais typiquement pour vos restes, si vous pouvez faire un dégradé avec vos restes, c'est un châle parfait. Donc là la section 4 que vous ne voyez pas très bien à l'écran puisqu'on est sur du blanc. Hein. Mais c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que lui appelle, il appelle ça un granité, mais c'est en français c'est un point de granit.
Donc c'est avec, des comme un lassage de fils qui passe dessus avec mais c'est très très facile à réaliser et assez répétitif. Mais comme vous avez que quelques rangs, ça va bien, ça sort bien. Donc là, je me restreins, je me dis non, Christelle, te lance pas dans celui-là, tu as plein d'encours qu'il faut aussi avancer en parallèle. Donc je me restreins en me mettant, là tu tricotes ça, mais après tu tricotes le reste, mais ok pour ça. Et si tu as tricoté tout le reste, alors tu peux avoir la petite récompense. Donc là, je suis sur la section 4 que j'ai fini, je vais faire la section 5, le changement de couleur vers le suivant arrive, je crois, à la fin de la section 8. Mais rien ne vous empêche de faire un premier changement de couleur ici, par exemple. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc design de Steven West. Le patron est disponible en anglais. Il y a un cal en ce moment. Un cal, c'est un knit along. Hein, donc c'est on tricote ensemble. Il organise ça chaque année. Je vous invite à aller voir le projet. Le patron est payant. Mais bon, comme d'habitude pour Steven West, il est extrêmement bien écrit et l'avantage c'est qu'il y a tellement de gens qui l'ont tricoté que vous avez des versions magnifiques qui ont été tricotées. D'ailleurs, je ne sais pas comment les gens font. Il est sorti début décembre, il me semble, mais le jour où soi-disant le cal était déjà sorti et devait démarrer, il y avait déjà plein de versions qui avaient été faites. Donc je me suis dit, bon, allez, foutu. Tu tricotes comme tu veux, Christelle. Donc voilà, démarrer le 4 janvier. C'est mon quatrième cast-on de l'année, puisque le troisième, je ne vous le montre pas, je vous en parle la semaine prochaine. Allez, cette fois-ci, je m'arrête là. Je pense que pour aujourd'hui, j'ai bien trop parlé. J'ai déjà commencé le montage du début de cette vidéo et je sais qu'elle sera longue, mais je sais que vous aimez les vidéos qui sont longues aussi. Donc finalement, c'est pas si mal que ça. Mais bon, si je vous en garde pas pour la semaine prochaine, vous allez pas être content. Donc voilà. Moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée créative, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez ce podcast. Vous m'avez manqué, j'étais trop contente de revenir vous voir. Je voulais aussi vous dire merci pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo de bilan et d'objectif 2024. J'espère que ça vous aura pas stressé, tous ces chiffres cette projection d'objectif 2024. Encore une fois, c'est ma façon à moi de travailler, enfin de me faire plaisir, parce que je sais que si je me cadre pas, je pars dans n'importe quel sens et après je suis frustrée parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Donc je préfère me mettre un cadre et évoluer sereinement dans ce cadre pour être sûre d'être satisfaite à la fin. Donc je suis désolée si jamais ça vous a stressé. Si ça vous a stressé, changez de vidéo. Il y a plein de vidéos dans lesquelles je ne parle pas du tout de chiffres ou d'objectifs. Enfin, non, je crois que j'en parle à chaque fois. Mais bon, voilà, c'est pas l'objectif de vous stresser. L'objectif, c'est que vous passiez un bon moment et que vous preniez du plaisir avec vos aiguilles, avec vos ouvrages. Et j'espère que ça aura été le cas. Moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée ou semaine créative. Je vous dis à mercredi avec le vlog que je vais commencer tout à l'heure ou demain. Demain, certainement, parce que j'ai trop parlé. Je commencerai à vous enregistrer demain. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Bon, est-ce que je vous révèle avant de partir? Non, je vous le garde. Allez, je vous révélerai la semaine prochaine où est-ce que je vous emmène en voyage la prochaine fois. Allez, je vous souhaite une belle semaine. Bisous, bye bye. Myself on the way down. Now I'm so tired.